faire des trucs avant de placer des machins. Je dis tu t'envoies le total puisque t'as aussi un bouclier. Ouais. Alors c'est le bouclier de merde, ça s'appelle bouclier maudit. Ouais. Il est maudit, truc. Non, ça te fout toutes les altérations d'état, ça te baisse les stats comme un porc. Mais bah, ça sert à rien d'avoir. Si si, parce que si tu fais 255 combats avec, c'est un secret. Hein. Mais c'est pas. C'est quoi 55 combats. En le portant. Ouais. Mais en le portant, t'as un truc. Toutes les altérations d'état, c'est-à-dire que t'es fou, empoisonné, zombie, tout le bordel. Hein. Ouais, et en plus, t'as un compteur sur toi, et quand il arrive à zéro, tu crèves. Ok, mais c'est zombie ça. Non, c'est pas zombie, c'est. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Condamnation. Je... Et. Ça va être épique, c'est vite. Non, non. Parce qu'en fait, tu parles que de FF6. Ouais, c'est ça. Bah, vous pouvez suivre ce qui se passe parce que moi, sérieusement, je suis d'un. Ouais, excusez-moi de parler de ça. Bah non, carrément, il s'excuse pas, attends, j'adore FF6. Et donc, et si tu fais 255 combats avec, ça donne bouclier paladin. Donc, ouais. C'est un truc qui augmente toutes les stats. Ça absorbe tous les éléments. Et ça t'apprend ultima en plus. Ouais. Donc voilà, donc du coup, l'espère Ragnarok s'en branle puisqu'on peut apprendre grâce au bouclier. Ah oui, je suis con, je sais ce qu'il faut faire. Mais pas dans la version GBA, puisque dans la version GBA, on peut parler de. Enfin bon, on s'en branle la version GBA un peu. Ouais, bon. D'ailleurs, j'aimerais bien voir à quoi ressemble le nouveau donjon. A mon avis, c'est un truc de tapette. Hein. Ouais. Enfin, t'as une autre. Sérieusement, si c'est comme le nouveau donjon, sérieusement, dans la version GBA de. Link to the Past Four Swords. Quoi, y'a un donjon? Ouais, un donjon spécial. Enfin, y'a plein de trucs spéciaux. C'est quoi le nouveau truc? L'attaque tournoyante. Ouais. Oui. Et bah, si t'as. Enfin, c'est une quête spéciale à faire avec Force Word. Bah, tu l'as dès le début. Tu peux le débloquer? Non. Tu peux le débloquer? L'attaque tournoyante, tu l'as dès le début. Non, mais c'est une attaque tournoyante. Encore plus puissante. Tu tournoies, et si tu laisses la touche. Ah, il tournoie longtemps, oui. Non, il tournoie, et il bouge en même temps. Ouais, je sais, ouais, je vois. Mais bon, c'est rien de particulier, sérieusement. En plus, avec Sophia, ça va. On s'en fout complètement, ça. Bah donc oui, je me suis fait chier à avoir la carte du Dr Kirk, donc je m'en sers. Ok. Et t'as encore une autre quête annexe, toi il y en a pas mal hein, quand même. Ouais. Bah c'est trop bien, c'est ça qui est bien dans un. Ouais. Et en fait ce qui est trop énorme, c'est qu'une fois que t'as les 4 persos le dirigeable, tu peux aller voir Kefka direct. Comme ça. Mais une fois que t'as le dirigeable, tu peux aller voir Kefka, c'est-à-dire ne récupérer aucun des. Ah oui, ah d'accord. Aucun des 10 autres persos, c'est-à-dire avec 4 persos quoi. Et de faire aucune quête annexe. Ah ouais. Donc là c'est trop bon en fait, ça te rajoute plein de trucs. Tu peux t'as les 8 dragons, tout le bordel. Et ouais, arrête, j'ai vu un speedrun de FF6, c'est l'enfer le truc à regarder. Ouais. Oh putain. Comment ça? Mais le gars, mais c'est trop tactique. Bah c'est un. Non, non, mais comment il XP, c'est trop bizarre le gars. Ah, comment il fait? Il va aux bons endroits, s'il trouve pas le bon monstre, il se barre, etc. Mais il gagne des secondes pour des conneries le gars. Ah bah, genre bizarre. Le gars il bouge d'une case de trop, tu sais, il cherche sa partie. Bah, c'est intéressant. Tu sais, sur 3 heures, une seconde. Ouais, ouais. Bah, quand même, faut battre le gars d'avant quoi. Non, mais une seconde, tu sais. Les speedrun de RPG, ça peut être les couilles. Parce que qui va regarder ça quoi, 3 heures, faut être timbré. Faites le gros. Attends, j'ai vu des speedruns de RPG, c'est 8 heures, tu peux pas passer les séquences cinématiques ni les dialogues. Ouais, c'est chiant, en plus, quand tu connais déjà le jeu, c'est encore pire quoi. C'est encore plus. Alors, et en plus, si tu fais une couille. Tu dois recharger et te retaper ça en plus. Ah ouais, c'est horrible. Je sais pas comment on a qui peuvent supporter ça. Enfin, mais ils les font pas. Ils les font pas en une seule partie aussi. Hein. Non. Ils font en plein de parties, ils sauvegardent entre chaque, donc ils peuvent recommencer la vidéo quoi. Ouais, voilà, bah justement ça en fait, ils recommencent 35 fois la même chose en fait. Mais le pire, c'est ce que je plains, c'est parce que bon, c'est envoyé sur des sites. Ouais. Mais il y en a qui les vérifient seconde par seconde, voir si le gars il a pas utilisé une sauvegarde rapide, une connerie comme ça. Bah. Sérieusement, si vous connaissez les speedruns, speed démo archive. C'est là que je suis allé pour donc. Oui, bah c'est là où il y a les speedruns et tout, c'est tout en vérifié à chaque fois. Et c'est horrible. Ce que je n'ai avec ce site, c'est que ça pense à tout le monde. C'est-à-dire que si vous avez une connexion nerd, vous pouvez télécharger en mauvaise qualité. C'est rapide, fais. Mais au moins on voit rien, mais c'est rapide au moins. Non, moi je le fous en petit. Enfin, tu l'agrandis pas en fait, c'est bon. Ouais, voilà, donc à la limite, c'est bon. Mais aussi, vous avez aussi des vidéos en. Le truc carrément, il y a des ouais, vidéos, mais après c'est n'importe quoi. Qualité, mais après il y a carrément insane quality, c'est énorme. C'est sérieusement. C'est le truc, tu lances, t'as l'ordi qui fume, tu sais. Ah, mais ça, le truc c'est hallucinant, c'est une qualité, c'est encore mieux que je suis sûr que le gars quand il jouait. C'est hallucinant. Non, mais sérieusement, c'est bon à ce point-là. Mais tu lances streaming aussi, mais le temps de chargement c'est le gros bordel. Bref, voilà, donc speed demo archive. Alors je vous dis en français parce que ouais, sinon. Ah, parce que tu peux le dire en français, en anglais ça. Oui, speed demo archive. Archives. Sérieux? Ouais, CH Archive.
Ah putain. Enfin, pas aussi prononcé que ça, mais. Archives. Oh putain, c'est bizarre. Il se passe. Ouais, des notes Katanax, fait le bordel. Ouais, t'es le Katanax, tu vas mettre. En fait, tu dois aller dans une tour. Donc, je vais passer les deux trucs, on va aller foutre les machins et tout faire péter en fait. Et on va arriver à la fin du jeu. Ah, c'est de rapide, hein. Mais c'est pas un jeu long, hein, une fois qu'on connaît tout en fait. Mais ouais, souvent, mais tu peux passer du temps à te battre. Tu traînes en fait, c'est ça quoi. Ouais, c'est ça. Donc, si tu connais le jeu, c'est assez rapide. Surtout, tu dois le faire trois fois pour avoir les trois fins différentes. Donc, t'as l'air, on se tape 4 jeux après celui-là là. Sérieusement non, c'est un quand c'est fatigué. Mais... Ah ouais, on verra. Ah, moi, ça m'a ravi de parler de FF6. Ah ouais, FF6, tu dis, tu parles de Kefka. Et puis, tu vas faire son rire. Ouais, c'est énorme. Ah, c'est impossible. C'est mythique. C'est normal parce que c'est un mec qui l'a fait. La voix a été modifiée et en plus, c'est sur un vieux truc donc ça me Ça fait un mélange. D'ailleurs, dans la dernière musique de, oui, avec son combat, elle l'est dans la musique. Si on télécharge l'OST, on l'entend. Oui, non, mais sérieusement, en plus, moi dans l'OST, le truc, le passage que je te dis, il y a un truc encore plus. Le passage que j'écoute le plus, c'est quand ça fait. C'est génial. Ah non, mais il y a un truc encore plus con. C'est la musique de l'opéra. Ouais. À un moment, tu dois empêcher Ultros. Et après, tu sais, il tombe. Ouais. Et puis dans la musique, quand c'est genre le ST, t'entends Ultros qui tombe à la fin. Énorme. T'entends la musique et t'entends. Ouais. Oui, bah, attends, c'est à la fin de la musique, ça. Quoi, j'ai plus besoin de m'en servir, je viens d'insérer les deux trucs. Ah, mais non, c'est pas là qu'il faut activer. Ouais, donc cette quête annexe dont je parlais. En fait, tu dois monter en une d'une tour, tu peux utiliser que de la magie, donc pas de coups. Ouais. Et en haut, t'as un boss, il est énorme, c'est le meilleur boss du. Enfin. Pas le plus dur, mais le meilleur boss niveau technique. Est-ce qu'il y a 45 milliards de boss annexes en fait? Enfin, des putains de boss difficiles à battre quoi. Bah, il y a les 8 dragons. Ouais. Ils sont bien durs quand même. Ça dépend vraiment de la technique. Et moi, j'ai eu du cul. J'en ai fait un aujourd'hui. Enfin, hier. Putain, t'es encore en train d'enregistrer ça. Oh putain. Oui. Mais j'étais halluciné. Je l'ai dit sur la vidéo, mais j'ai eu trop de cul. Parce que tu sais, c'est un boss. Ouah, j'ai mis les deux trucs, PD. Oh, c'est un boss, il fait des attaques de zone, il t'encule tous les persos. Ouais. Il m'a fait que des attaques normales. J'ai rien, puis pendant tout le combat, il a fait que des attaques normales. Ah bah, tu sais, il y a des combats, c'est de la putain de chance, c'est un Baton Kato, c'est que ça en fait. Ce sont les cartes de l'ennemi là. Non, mais là, je comprends pas, parce que l'ennemi il fait tout le temps aléatoirement le truc, et là, il fait que des attaques normales. Ah bah, ouais. J'ai rien pigé. Je me dis, c'est quoi, c'est un bug là, c'est pas possible. Bah, ouais, c'est de la chance, hein. Bah, tu rigoles pour les RPG, pour les boss, à mon avis, il doit faire ça. Les ouais, c'est un pourcentage. Ouais. Et donc, du coup, il doit charger 45 000 fois pour. Parce ouais, c'est du coup du cul. Mais voilà. Et encore du plus. Du cul et du cul. C'est bon, on va faire une chanson de paillard aussi. Du cul. Non, tu connais pas, c'est un truc de. Avec sur les guillemets de la fin, en fait, c'est les trucs TF1. Puis c'est Etienne Moujotte et l'autre là, en fait, c'est les dirigeants de TF1. Ouais. Et puis il fait. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme prochain programme? Du cul. On met du cul et du cul. On met avec du cul, truc avec du cul, et il fait du cul partout, c'est énorme. C'est ça qui marche. Et après, il fait. Pourquoi vous avez pas fait ça? Pourquoi vous êtes passé derrière M6? Je sais pas, j'ai eu un scrupule. Et puis tu vois, il fait genre une scène d'exercice. Sors de là, scrupule! Ah! Et après, il fait du cul. Ça, c'est énorme. Si vous connaissez les guignols de l'info, vous savez que c'est une scène. En fait, c'est con et c'est vrai en plus. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Du cul. Tout avec du cul et du cul. C'est énorme. Faut mettre du cul et des conneries en fait pour avoir de l'audimat. Carrément. C'est dommage. Ah oui, d'ailleurs, j'avais vu un truc de Marie Fred. C'était putain, c'est de la parodie, tu sais. Ouais. Et puis il fait ah ouais, est-ce qu'on aura ça l'année prochaine? Ah non, ils ont arrêté la diffusion. Ah, c'est dommage, c'était pourri. Ah ouais, voilà. Parce qu'en fait, les gens en fait, ils vont regarder des trucs pourris, tu vois. C'est con. Simple. Et les trucs de Marie Fred, c'est totalement débile, mais les trucs putain de bien trouvés en fait. En fait, ce qui est marrant, c'est le SAV quoi, c'est trop énorme. Ouais, parce que sérieusement, le spectacle c'est de la grosse merde. Ah, j'ai pas vu. J'ai vu un. De toute façon, c'est de la merde. Tous ceux qui font des trucs comme ça et qui se mettent à foutre des spectacles. Non, genre Arthur, tu vois, à la radio, oui, il est sympa. Non, machin. Ouais, ils sont faits pour un genre, son, pas de son one man show, c'est de la grosse bite quoi. Ouais, c'est ça. Mais au Marifal, sérieusement, dans les SAV, des fois il y a des grosses merdes. Tu mords de rire. C'est tellement con. Avec voilà. Et même eux, ils se marrent tout seuls quoi. Oui, bah d'ailleurs, c'est con parce que des fois, ils devraient pas rigoler parce que ça désamorce le truc. Si. Bah non, il y a des passages, sérieusement, ça casse tout. Mais c'est Omar, en fait c'est Omar. Quand il parle, il sourit toujours et on devrait trop qu'il explosé de rire quoi. Voilà, je l'ai enfin accueilli ce putain de truc. Bah, c'est comme dans le truc de Groland là. Voilà. Vedette de star. Vedette de star. Putain, colère. Va te faire. C'est une vraie école de la vie. Une vraie. Ah oui, c'est con. Après, j'ai viens de sécher toi. Qui vous me faites tout chier. Ouais, voilà.
Bande d'enculé. Ah ouais, quand tu dis que ce walkthrough est interdit au moins de 18 ans, bah, c'est ça. Ah ouais, ah, faut le rappeler. Tu m'as jamais sucé convenablement, sale pétasse. Si vous pouvez voir, c'est un truc de grand, c'est peut-être de Star Sailor. Ah, vous tapez sur YouTube, parce que Daily, bon, y'a pas cette truc. Non, parce que sur Daily, y'a des trucs où y'a pas en fait. Non, mais Daily, Daily c'est mieux, mais y'a pas beaucoup de trucs qu'on recherche quoi. Bon voilà, donc vous allez taper Groland, vedette de star. Vous allez être mort de rire.